Canson a lancé en septembre 2012 un projet pédagogique global et complet à destination des enseignants des écoles maternelles et élémentaires. Ce site web s'appelle l'ateliercanson.com, espace enseignant. Nous avons lancé également en septembre 2012 un concours à destination des écoles, le concours École Canson, première édition. De très belles dotations étaient à la clé, une exposition d'un mois au Musée en Herbe à Paris, une intervention de l'illustratrice Laetitia Lesseau en classe, illustratrice des éditions Didier Jeunesse, des sorties scolaires pour visiter un lieu artistique régional et bien entendu du papier canson pour continuer à créer en classe. Donc le concours École Canson, qui est un concours de dessin et de peinture, a été organisé à travers l'espace enseignant et il a été à destination des classes de maternelle jusqu'au CM2. Et pour cette première édition, deux thèmes ont été abordés. Un thème pour le cycle 1, le monde qui nous entoure, et un thème pour le cycle 2 et 3, imaginez le monde de demain. Depuis 5 siècles, Canson est proche des artistes. Nous avons même souvent développé des papiers spécifiques pour eux. Matisse, avec Picasso, avec Warhol. Et aujourd'hui, on continue à essayer d'être proche des artistes professionnels, mais aussi des futurs artistes, comme tous ces enfants qui sont là aujourd'hui. Un musée qui existe depuis 1975. On propose des expositions de 3 à 103 ans, donc vraiment adaptées aux tout-petits, avec des ateliers également. D'où notre partenaire de longue date, que l'on remercie vraiment énormément, Canson, qui nous permet de proposer des ateliers de qualité aux enfants dès 2 ans et demi jusqu'à 12 ans. Donc pour ce concours, il y a eu 853 œuvres à sélectionner par le jury. Donc encore un grand merci à tous les participants et bravo donc à tous les enfants. Merci beaucoup, on cherche souvent à donner du sens à ce qu'on fait et là c'est un super moyen. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde. Oh là. Un grand merci, je suis très fière de mes élèves qui se sont particulièrement dépassés. J'ai vu une image dans un livre, il avait des immeubles où il avait de l'eau qui coulait et c'est ça qui m'a inspirée. Je me suis bien amusée parce que j'ai fait beaucoup d'ateliers, j'ai les fait tous. Et en fait, j'ai beaucoup aimé parce qu'il fallait beaucoup inventer dans la mer, sur des bateaux. Il fallait beaucoup réaliser des choses d'imagination. Nous donnons bien entendu rendez-vous aux enseignants des écoles maternelles et élémentaires et à leurs élèves dès septembre pour la seconde édition du concours École Canson.